Alors, bonjour mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais très très bien. On se retrouve sur une petite vidéo sur Minecraft, Xbox 360. Donc, je vais vous montrer une ville que j'ai créée en créatif, malheureusement, mais c'est pas grave. Ce sera pas bien long. Chargé. Bon, dans le fond, c'est une ville que j'ai créée il y a pas tellement longtemps. Alors, je fais des constructions, soit que j'ai aimé ou que j'aime, ou que j'ai créé moi-même. Alors, allez pas dire, tu fais du plagiat, tu copies ça, telle personne. C'est ma ville, donc je fais ce que je veux, je vous emmerde. Fait qu'on va continuer. On va tout de suite. C'est peu que vous la trouvez pas très très belle, mais c'est pas grave. C'est une ville que je fais depuis pas tellement longtemps. Alors. Mettons, je vais vous laisser comme ça, un petit aperçu, ok. On va aller voir le premier bâtiment, qui est celui-ci. Là, désolé, je suis avec un iPhone, fait que je joue avec une main en même temps, qui sort pas très bien. Alors ça, c'est le début, c'est comme un métro un peu, mais bon, c'est pas super parfait à date encore. Là, comme vous pouvez voir, coffre pour les wagons. Partir, celle-là c'est pour arriver. Dépose dans celle-là. Petit chemin ferreux, pas mal toute la même affaire. Comme ceci. Alors c'est ça qui est ça. On va continuer par ici. On va aller voir le premier, deuxième bâtiment. Alors tous les chemins de ma ville sont pas mal pavés comme ça. Je trouve ça assez beau, fait que je vais laisser ça de même. À part qu'ici, c'est en bois, mais c'est pas grave. Alors, le deuxième bâtiment, je vais vous montrer. C'est comme un peu une halte routière, dans le fond. C'est pas. C'est pas un gros bâtiment. Dans le fond, c'est comme. Tu viens ici, t'as les petits kiosques avec des petits pamphlets pour ce que tu veux, dans le fond. Alors, ici, dans le fond. Dans le fond, ça c'est une idée que bien des gens ont eu dans le fond, mais j'ai décidé de le mettre pareil. C'est un tableau avec des pancartes. Que mettons, si je serais sur un ordinateur, sur un serveur multi, ben j'aurais juste dans le fond à les mettre ça dans mon serveur. Puis les personnes qui jouent dedans auraient juste à prendre comment ça s'appelle? Une pancarte et écrire ce qu'ils veulent dessus, mettons comme idée qu'ils auraient eu. Alors on va tout entamer ici, ces deux petites maisons que je vais visiter tout de suite. Alors, une maison bien basique, un petit tableau, un coffre, bibliothèque, lit, cuisine, petit escalier à l'envers. On va aller voir la deuxième. Alors, une petite maison comme ça, avec deux entrées dans le fond. On va rentrer par celle-là pour sortir par l'autre. Une petite maison bien basique, une petite table, coffre. Ici, tu vas avoir un lit. Vite, une vache. Petit chemin. Alors. Ça, on a une petite étape. On va pas perdre trop de temps là-dessus. On va aller voir ce bâtiment-là, que c'est une petite cantine dans le fond. Bien peinard. Ici, des petites tables. Tu en viens ici, il y a un kiosque. Puis là, whoop, 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 tu commandes ce que tu veux. Puis tu as les. Cuisine en arrière. Là, on va venir ici. Une petite maison que j'ai faite, que je trouve quand même belle. Tu rentres ici, là, t'as la cuisine, nanana. Puis là, ici, t'as la chambre à coucher dans le fond, petit salon. Puis en arrière, on va pas aller voir parce que c'est bien basé. Dans le fond, c'est un petit tour, soulevé par un petit tobo, là. On va venir ici. Dans le fond, c'est une boulangerie, dans le fond. Comme tu viens ici, dans le fond, tu as des petits bancs pour attendre mettons, ton pain ou tes biscuits. Puis, mettons, tu viens voir, mettons, ici, je pense, c'est les biscuits. Ouais. Excusez-moi si je prends vraiment mon temps, mais... Ouais, là, il y a des biscuits. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est parce que je joue, dans le fond, une main, ça va très, très mal. Fait que, blâmez-moi pas trop, s'il vous plaît. Donc on va tout aller par là-bas, puis on reviendra par site après.
Excusez-moi, ça shake un peu. Bon, ici, c'est une église, dans le fond. Tout correct. On va pas plus visiter que ça. Parce que, c'est le but que vous mettez dans vos friendlies sur Xbox 360 et que vous venez visiter la ville et vous venez l'améliorer avec moi parce qu'un jour, elle sera en survie. Et il faudra travailler pour acheter une demeure ici. Alors ici, c'est la mairie. Les petites bibliothèques dans le coin, des petits coins porn. Cannabis, veux fumer de l'herbe. Là, si t'as le bureau du maire RGX Fate, et dans le fond, si vous voulez m'ajouter, c'est mon gamer tag. Ajoutez ça, et je vais sûrement vous ajouter. Alors ici, j'ai pas fini d'aménager dans le fond. Un bureau bien simple. Alors, on va continuer, babe. Alors, ça, je vais pas vous le montrer, le gros bâtiment ici, dans le fond, parce que c'est toute la même chose, je vais juste vous le montrer comme ça. C'est comme ça, puis là, la bouée de quoi, mais c'est pas grave, ça. Fait que c'est ça, en fond, je vais juste vous montrer de quoi, comme ça, là. Par les fenêtres, dans le fond. Et en fond, c'est toute la même chose. C'est tout comme ça, dans le fond, à l'intérieur. Fait qu'on se gâtera pas plus que ça. Fait que ça, c'est un bâtiment que j'ai tout juste de faire, dans le fond. C'est... Je sais pas encore ça va être quoi. Parce qu'il y a deux entrées, dans le fond. Puis c'est pas torché, excusez-moi. C'est pas torché. Donc on va tout sortir, ça vaut pas la peine. Alors, on va rentrer dans une nouvelle section. Un nouveau chemin. Qui va se comporter de une petite maison ici en forme de poire. Okay, je vais vous montrer le toit parce que vous allez comprendre après. Hein, attendez une minute. Et c'est en forme de poire si vous comprenez bien. Ensuite ici on a une pâtisserie. Comme vous pouvez le voir, une pâtisserie. J'ai mis de la laine avec du vide dessus pour faire un effet de comptoir vitreux. Si tu as l'arrière-salle avec comme une petite table de travail et un coffre, puis c'est pas mal ça. Si on a les fours, tout. C'est ça, déjà 7 minutes. J'espère qu'on va le temps de tout visiter. Alors, ici, une petite maison encore. On va le voir, une torche qui allume, une torche qui allume pas. Une petite maison bien basique, belle maison. Alors ça, on va faire une autre maison. Ça, je vais pas la montrer parce qu'il est pas meublé, mais je la trouve quand même belle de l'extérieur. Alors, une petite maison comme ça. Ça, pas mal ça. Oups, excusez-moi. C'est ça, on va pas le montrer en fond parce que ça sert à rien en fond. Parce que c'est une maison que c'est pas moi qui l'ai faite, fait que je vais pas la montrer. Alors, le chemin est pas fait encore ici, mais ici, ça va être plus un quartier... un côté de la ville touristique un peu, avec un beau restaurant. Faite par moi et Jérémy Ventura. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Il se nomme Jérémy Ventura. Alors, on va entrer dedans. Un restaurant, dans le fond, comme ça. Des tables, tout. T'entres, comme ça. Puis ici, en dessous de l'escalier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la fameuse cuisine, pas très grande. Avec seulement des fours, mais c'est pas grave. Alors, je vais continuer à faire le tour avec vous. Sans pas trop décrire, je vais vous laisser regarder. Alors, en fond, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, ben vous avez juste à me le dire, en fond, puis je vais le faire. Ce sera pas trop long que je me mette au travail pour me le faire. Donc, dans le fond, ici, ça continue. On a une petite maison de, comment je peux dire, comme un gardien du fort, un peu. Ça vient ici, dans le fond, puis qu'ici, il prend son petit bateau, puis il s'en va au fort, le fort. Fort qui est juste ça dans le fond, le fort c'est pas grand chose. Hein. C'est juste ça. Ça. On a un petit pont, fait que c'est pas mal ça ma ville. Excusez-moi si vous avez pas trop aimé la vidéo, que je t'explique un peu, mais donnez-moi des idées de concept ou de vidéos que vous aimeriez que je fasse et je vais le faire. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, likez la vidéo, vous pouvez toujours laisser un commentaire pour dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Ça me fait très grand plaisir. Est-ce que vous aimeriez que je fasse? Alors, c'est pas mal ça. Fait que, dans le fond, vous pouvez aller, si vous avez aimé, vous pouvez aller voir mes autres vidéos. Sur NHL 14 et sur F1 2013. Ils sont très, très, mais très, très bons. Je vous invite vraiment à aller les voir, liker, commenter. Et même si vous avez le goût, si vous aimeriez suivre ma chaîne, ben abonnez-vous.
Alors, c'est pas mal ce que j'avais à dire. Merci, peace out, les gars.